Actualité nationale. L'école et deux enfants handicapés. Dans une école ordinaire, comme la Fermette, ils accueillent deux enfants handicapés qui ont des problèmes mentaux. Les enfants disent qu'ils sont contents d'être là et ils chantent et ils dansent. Pour ces enfants, il leur faut deux profs particuliers qui viennent chaque jour et restent avec eux pour les aider. Peut-être qu'un jour, Thomas, le petit frère de Thiago, pour qui on fait la marche parrainée, viendra aussi dans notre école. Le président des États-Unis a atterri en Belgique ce 25 mars. Il est venu à Bruxelles pour discuter des affaires politiques et de la Russie avec les représentants des pays de l'Union européenne. Mackenzie, Théodore et William étaient invités à sa conférence et ont pu lui serrer la main. Avion disparu. Les aviateurs et les marins cherchent les débris de l'avion disparu il y a 2 semaines. Mais jusqu'à mardi, ils n'en trouvent toujours pas. Pourtant, certaines personnes disent avoir vu les morceaux qui pouvaient appartenir à cet avion. Aujourd'hui, on a retrouvé des débris de cet avion dans l'océan Indien. Le président russe, Vladimir Poutine, a décidé d'agrandir son pays en lui ajoutant une partie de l'Ukraine, qu'on appelle la Crimée. Maintenant, de nombreuses personnes veulent discuter avec le président russe pour éviter qu'une guerre n'éclate avec l'Ukraine. Actualité Fermette, Masterchef. Chaque jeudi, les 5e et 6e font l'atelier Masterchef. Ils ont recherché les recettes, calculé les proportions et le budget. Enfin, ils vont cuisiner et décorer les tables pour accueillir leurs parents jeudi prochain et les servir comme au restaurant. Ce vendredi, tous les élèves ont marché pour soutenir Thomas et le Télévis. Soyez en forme, c'est pour une bonne cause. Ce dimanche, il y a la brocante à la Fermette. Venez-y nombreux, il fera beau. En plus, si vous voulez, vous pouvez acheter des lots de tombola pour soutenir Thomas. Tous les lots sont gagnants. Merci de nous avoir écoutés.